Bonjour à tous, c'est Engal, on vient de se faire enfler sur l'étape précédente où on a pris une cartouche d'anthologie avec Julien parce que bah, on a laissé l'ordinateur le gérer comme un gros noob et qu'il faut pas faire ça, on le sait, mais j'étais en échappée et j'aurais pas dû essayer de gérer mon échappée une fois que j'ai pris les points en haut du col hors catégorie, surtout qu'il y avait Ginomada en face, que c'était un client solide. Mais bon, allez, on va pardon, enchaîner avec le contre-la-montre. Le contre-la-montre, oui, c'est marqué devant moi, je suis con. Le contre-la-montre, donc. Contre-la-montre de 18 km dans le jeu, dans la réalité. Il en fait 23 entre Dissandis, Sendrun et Andermatt. Le profil est assez similaire, mais ça monte un petit peu plus quand même sur, l'étape réelle. Enfin, ça monte même bien. On a 600 mètres de dénivelé positif. Autant vous dire que ça va, c'est une étape qui va tabasser. Putain, celle-là, je la rate pas, hein, je vous le dis. Celle-là, je vais être vissé devant la télé pour la regarder. En attendant, c'est la fouille où Saint-Étienne et ça va être joué avec Julien Alaphilippe qui va repasser devant Van Sevenant et qui va repasser troisième. Est-ce que je peux reprendre 3 minutes à Kung? Bah non, Kung, non, non. Ah, quoi que, attendez, avec la montée, on sait pas. Bon, allez, c'est parti. C'est un membre Allez, du c'est top parti, on 10 n'a qui pas se droit à présente l'erreur. maintenant au Van départ de Sevenant. ce contre-la-montre Il est individuel. Il va pourri au tout donner contre-la-montre, pour mais du améliorer coup il son va perdre plein de classement. place. On l'a On va fait l'étape. repasser a priori devant Van Sevenant avec Alaphilippe. Quoique les écarts seront peut-être pas aussi énormes, en tout cas, il faut qu'on fasse un temps canon sur ce contre-la-montre et on est parti. Très très exigeant qui t'attend. Deux bonnes bosses au programme et des descentes techniques. Alors reste concentré. Allez, hop hop hop. On repasse en mode position chrono. Alors, on sait qu'il y a moyen de faire des bons temps dans la bosse. Ça tourne beaucoup là? Ouais, ça tourne beaucoup. Hop, on relance un peu. Hop, on se remet en position aérodynamique. Ça commence à monter. Pas de position aérodynamique quand on est sur du 7%. En tout cas, pas chez moi, merci. 8%, ouais, non. Pas de position aérodynamique pour l'instant. On va la reprendre juste là, dès qu'on aura repris un peu de vitesse. Hop. L'idéal c'est d'arriver avec le rouge explosé au sommet de la bosse pour pouvoir faire une très très bonne descente. Je sais plus qui y a devant nous au général. Carapaz, ouais, non, Carapaz, on va pas le rattraper. Et devant ils seront trop loin. Et puis il y a Dumoulin ensuite, donc autant vous dire que Dumoulin, à mon avis, c'est un sérieux candidat sur ce profil. D'autant plus qu'il a un 80 montagnes là, que je n'ai pas avec Julien. Allez, garde bien la position. Allez, on garde pour l'instant la position, c'est du 4%, ça me va. On va même augmenter un petit peu l'effort. Dès que ça passe autour de 6, j'augmenterai à nouveau. Ah, je suis vénère de l'étape d'hier encore là, mais vous imaginez pas comment. Du coup, je me suis fait un petit lafou Saint-Étienne, ça va me détendre bien comme il faut. Hop, allez, on relance un peu. Oh là, on relance bien comme il faut parce qu'on est passé sur un passage qui monte bien comme on aime. Allez, là, on va repasser un peu, hop, en mode chrono. Et on y retourne. Doucement, doucement, je suis trop fort, là, je suis trop fort. Voilà, c'est mieux. Juan Dennis qui a fait 24-03. C'est Bob Jungels qui a le meilleur temps pour l'instant. C'est surprenant. C'est très surprenant. Allez, allez. 24-14 pour Pozzo Vivo. Allez, allez. Hop, là, on reste à fond. Et il nous aura resté un petit peu trop rouge à mon goût. Et là, on fait pas un temps extraordinaire. On passe à peine mieux que ce qu'on devait faire. T'es en tête au dernier checkpoint. On est en tête quand même, on est en tête. C'est déjà ça. Hop. Oh putain de merde, attendez, j'ai fait n'importe quoi là. Allez, hop là, on va passer en mode récup. Ok, on va dire que ça a passé à peu près. Je sais qu'il y a un virage qui est vraiment dangereux. Je sais pas si c'est pas celui-là d'ailleurs. Non, c'est pas celui-là. On va relancer un peu, hop hop hop. Gentiment, sans en faire trop. Ah putain, c'était lui. Ouais, ça passe à peu près, allez hop. On va dire que ça passe à peu près. On sait que c'est pas vrai, mais c'est pas grave. 4,6%, non, là faut que je continue à rouler un peu. Ouais, t'inquiète, je me suis bien géré.
plus on sait qu'il faut il faut freiner de ouf là. Ça sert à rien de relancer. Allez. Ta race. Heureusement que je savais qu'il fallait freiner, putain. Allez, on y retourne. Allez, là on peut. On peut donner fort, je pense. On peut donner fort. Elle est pas longue. Mais elle fait le boulot. C'est ce que me disait mon ex. Non, je déconne. 23-31 à faire. Allez, on va essayer de faire ça. Hop là. Allez, ça c'est pas mal. C'est ce virage là. C'est ce virage là qui est dégueulasse. Allez, c'est pas mal ça, mon petit jus. Allez, à fond. À fond, à fond, à fond. On a plutôt réussi notre virage. Je suis content. Par contre, on est pas à fond là. Voilà, là on est à fond. Ouais, il va falloir envoyer du poney quand même. Hein. Il va falloir envoyer du poney. Le bleu, on sera très très bien. Le rouge, on en aura trop. On va faire un petit sprint dans le dernier kilomètre, je dirais, à partir d'à peu près maintenant. C'est parti. C'est bon encore. Ouais. Allez, on donne tout. On repasse en position aérodynamique. J'ai pas vu combien on avait fait. Mais bon, on va faire un bon temps. C'est déjà ça. Il a passé la ligne d'arrivée en tête il y a quelques minutes. La victoire d'étape pour Julien Alaphilippe. Je vois pas qui ça peut être, hein, si c'est pas lui. Allez, on l'emporte avec Julien. C'est déjà ça. Benoît Costefroy qui conserve son maillot jaune. On conforte notre maillot vert avec Julien Alaphilippe. Pas de problème pour Vance Evenement et son maillot à poids. Et Zimmermann, toujours meilleur jeune. C'est sûr que Vance Evenement, il a pas fait la diff sur cette étape. Ah, on l'emporte, hein, mais devant Carapaz en excellente forme et Dumoulin, évidemment, ça complique un peu les choses. Charman finit 4ème, Gino Meder qui finit 5ème, Van Sevenant termine à 1.32, les écarts sont pas monstrueux, hein. Je sais même pas si on va reprendre des places. Kung termine à 55 secondes seulement, Lamertink doit finir plus loin quand même. Lamertink à 1.51. Bon, il a perdu du temps, mais on n'y est pas encore. C'est mort, hein, quasiment, pour le podium, déjà. Allez, au général, ça nous donne Cosnefroy avec 1.58 d'avance, désormais, sur Lamertink. Kung est à 3.35. Dumoulin a repris 3 places. Il a dépassé Simon, il a dépassé Zimmermann. Il a dépassé Van Sevenant. Carapaz a juste dépassé Van Sevenant et Zimmermann qui continue à se battre. Hein. 25 secondes d'écart désormais entre les deux. Et Alaphilippe qui reste 9ème et bah, qui opère pas vraiment à rapprocher avec, avec ses vrais adversaires du coup. Cosnefroy, il a fini combien? Il a fini dans les choux un peu, non? Bravo les gars, félicitations à vous. On avait le statut de favori, Cosnefroy, vous avez parfaitement Cosnefroy, assumé. Donc la bravo tour, pour cette victoire. Turgis, on conserve le maillot vert, c'est bien les gars. Benjamin Thomas, Cosnefroy a pris une 39. On a repris une 39 à Cosnefroy, bon. C'est pas mal, mais voilà, c'est... Ah, c'est dur, hein. Moi, j'avais pas signé pour jouer un Julien Alaphilippe 9ème du général. Je devrais être 3ème, hein, parce que là, il y a Dumoulin et Carapaz qui devraient être devant moi. Mais les autres, c'est à cause de la fête du slip. Van Sevenant, pas de problème du côté du maillot à poids. Julien Alaphilippe est tranquille désormais au maillot vert ou presque. Il y a toujours Dumoulin qui peut un peu l'emmerder. 25 secondes entre Zimmermann et Van Sevenant. Ça va peut-être être notre objectif du coup, hein, le maillot blanc. Faute de mieux. Et Gino Meder, il est à combien? 2.13. Eh, attention quand même à Gino Meder. On sait jamais s'il le relaisse partir. Pourquoi pas, soyons fous. Et on a repris une petite place avec, avec la de Koenig. Mais au mieux, on finira 4ème de ce côté-là. Pas de changement à la combativité. Allez. C'est la dernière étape, les gars. Ah, on en reste là pour cette étape entre La Fouze et Saint-Etienne. Qu'on aime d'amour. Hein, c'est un des meilleurs, sinon le meilleur. Contre la montre de ce jeu. On se retrouvera dès demain pour l'étape finale entre Andermatt et Andermatt avec beaucoup de col au programme, mais pas vraiment de col vraiment. Comment dire? Pas de col assassin, on peut dire ça comme ça. Il y a trois gros cols, hein, dans la vraie étape. Nous, on aura un vrai gros col à la fin. Les deux premiers cols sont vraiment en début d'étape, dans l'étape réelle. Donc, il devrait pas changer grand chose. Nous, ça va être une course d'usure quand même, hein, avec tous ces petits cols au milieu. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose avec Julien? Très sincèrement, j'en suis pas sûr.
Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose avec Vent Sevenante? Bon, on pourra le mettre dans une échappée, il va prendre 12 minutes d'avance. Allez, c'était Ryan Gall, ciao ciao.